Eh dis donc, Jamy, tu trouves pas qu'il fait un peu chaud cet été? On est en pleine canicule, on est en train de se prendre le réchauffement climatique en pleine gueule. Là, tu vois, je suis en pleine forêt de Fontainebleau et c'est le seul arbre qui a résisté à la chaleur. Tu te rends compte, Jamy? Ah! Alors moi, ce que je te propose, Jamy, c'est que pour totalement disrupter le réchauffement climatique, eh ben, c'est qu'on aille chercher la glace contenue dans les glaciers. Comme ça, on la met chez nous dans un grand frigo et du coup, on résout le problème du réchauffement climatique. Mais ça m'a l'air un peu haut quand même, Jamy, tu trouves pas? Eh, t'as vu ce morceau que je tiens, Jamy? Je vais le vendre sur le Bon Coin. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Tu vois, Jamy, la principale cause du réchauffement climatique, ce sont les émissions de CO2. Alors, on peut écrire des traités, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne pourra jamais empêcher les gros blaireaux de rouler dans des 4x4 pour démontrer leur supériorité. Surtout qu'en général, Jamy, eh ben, ils ont surtout des petites bites. Et des petites bites, on en croise plein les rues. Ça roule en 4x4 en plein Paris, alors que ça rend la conduite et le stationnement plus difficiles. Ça prouve bien que ces gens ont des choses à compenser, non? Regardez, ceux-là, ils ont tellement un micro-pénis qu'ils sont obligés de le montrer partout dans le désert. Tu vois, Jamy, l'avantage avec la désertification et donc le réchauffement climatique, c'est que ici, on va pouvoir tourner le prochain Mad Max. Et tu sais quoi? Eh ben, on est en pleine butte Montmartre, Jamy. Mais malgré la canicule, Jamy, la Startup Nation n'est jamais mise en échec, puisque figure-toi que Uber, et oui, la société Uber, propose désormais des chameaux pour se rendre à l'endroit où on veut aller. Ah tiens, je crois que c'est à droite. Eh oui, Jamy, tu ne rêves pas. Ça, c'est un bateau-mouche, parce que la Seine, comme tu le sais, est totalement asséchée à cause du réchauffement climatique, Jamy. Mais ça permet de relier la rive droite à la rive gauche en moins de 45 minutes, Jamy. Eh, c'est du jamais vu depuis que j'habite à Paname, tu te rends compte? Allez, viens, Jamy. Il y a une after à la péniche. Allez, tu viens avec moi? Oh bah ouais, avec plaisir. Par contre, Jamy, la seule différence, c'est que même si ta daronne fait la même superficie, eh ben maintenant, elle est toute sèche, Jamy! On